Bonjour les petits amis, aujourd'hui c'est le 6 décembre au matin, c'est la fête de Saint-Nicolas. D'ailleurs, je suis venu à l'église Saint-Nicolas de Stambert. Vous voyez que c'est notre belle église de Saint-Nicolas. Il y a tout, il y a des vitraux et il y a même la statue de Saint-Nicolas qui est ici. Et il y a plein de choses... Je suis là. Oh, bonjour. Mais il n'y a personne. Comment cela se fait-il? Alors, Saint-Nicolas, c'est chouette de vous voir. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous soyez là. Mais c'est super que vous soyez là. On s'assied, on discute? Oh, avec plaisir, Thomas. Oh, mais Thomas, je suis vraiment content de te voir. Mais tu connais Saint-Nicolas? Ben, je vous connais, Monseigneur, mais... Mais c'est du roi, je suis né. C'est pas dans le sud de la France? Ah non, 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 c'est bien plus au sud. Bien oui, plus au sud. Au pôle sud? Non, il fait bien plus chaud, je suis né. Ah, c'est où alors? Ah, c'est à Mir. En Turquie. À Mir, en Turquie. Oh, en Turquie. D'accord. Ah oui. Et je suis né 270 ans après Jésus. Oh, ça veut dire que il y a longtemps, il y a 1700 ans. C'est pour ça que j'ai une si longue barbe et des cheveux longs blancs. Ah oui, mais parce que je suis très vieux. Hein. Et ils sont bien coiffés vos cheveux, ça. Ah oui, je même soin, moi. Mais tu sais, je suis né dans une famille comme tous les enfants. Avec un papa, une maman. D'ailleurs, ils étaient même un petit peu riches, ce qui à l'époque, c'était pas mal. Mais attention, ils priaient beaucoup. Et puis, leur richesse, ils ne la regardaient pas seulement pour eux. Non, ils la partageaient avec les plus pauvres. Et c'est pour ça aussi qu'ils m'ont encouragé, quand j'étais tout petit, à partager avec mes amis. Et puis, ma maman, c'était quand même pas n'importe qui. C'est hein, vrai? Ah, oui, hein? Tu sais, elle avait des frères et des sœurs, mais elle avait un frère un petit peu particulier quand même. Oui, qu'est-ce qu'il faisait? Taminé? Ah non, je ne sais pas. Il était évêque? Mais oui. Tu sais, à cette époque-là, on regardait un petit peu quand un évêque mourait dans sa famille qui pouvait le remplacer. Ah, mais ça a beaucoup changé, parce que maintenant, c'est plus du tout comme ça. Non, mais maintenant, on a les moyens de communication. C'est vrai. À l'époque, c'était très difficile. Quand l'évêque mourait, avant que le pape ne le sache, ben, peut-être que le pape lui-même était déjà mort. Ah ben c'est vrai. Ah oui. Oui. Et puis, voilà. Aujourd'hui, vous êtes le saint patron des enfants. Si vous voyez, ici, il y a des enfants au pied. Et... aujourd'hui, quand on fête Saint-Nicolas d'habitude, on s'offre des cadeaux. C'est un peu bizarre cette année, non? Cette année, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que d'abord, les magasins sont fermés, mais sans moi, ce n'est pas un problème. J'ai mes fournisseurs. Oh! Oui, les fournisseurs de Saint-Nicolas. Maintenant, il y a quand même un petit problème. C'est que certains parents, tu sais Thomas, n'ont pas facile de vivre. Parce que, à cause du virus, ah oui, ce virus, on peut en parler, moi je sais ce que c'est, moi, un virus. C'est vrai? Ah oui, parce que tu sais, Thomas, mes parents, moi je les ai perdus très jeunes. Oh, moi je suis désolé, ça. Ah oui, heureusement, j'avais une grande famille, mais mes parents, ils sont morts lors d'une épidémie de peste. Oh, donc à cause du virus, de la peste. Donc tu vois, déjà à cette époque-là, il y avait des épidémies. Et il fallait bien vivre avec, comme aujourd'hui. Mais oui, les enfants, cette année, c'est un petit peu plus compliqué. Tout est plus compliqué. Il y a des personnes qui sont malades, et certaines de ces personnes travaillent dans des usines de jouets. Il y a aussi vos parents qui paye les jouets que je peux vous apporter. Mais cette année,
même Saint-Nicolas a beaucoup plus difficile de faire ses livraisons. Alors, au matin du 6 décembre, oui, il y aura des enfants qui auront peut-être moins de jouets, d'autres n'en auront même peut-être pas, mais vous verrez à la fin de l'histoire que je vais vous raconter tout à l'heure, l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Yanis, que parfois, il y a des cadeaux bien plus importants que des jouets. Des cadeaux que l'on peut garder au fond de son cœur toute la vie. Mais voilà les enfants, vous savez, moi chaque année, c'est un plaisir pour moi de venir vous rencontrer. Et cette année, on a réfléchi avec mes pages. Saint-Nicolas, allez-vous aller là où il y a la pandémie? Eh bien, il fallait que je vienne à votre rencontre. Pour vous dire que chacun, vous vivez des moments qui ne sont pas faciles, en famille, à l'école. Mais moi, je voulais être là auprès de vous. Je voulais être là auprès de vous pour vous dire que Saint-Nicolas, il vous aime. Et il veut que vous continuiez à grandir heureux. Alors, parfois, je sais que dans des moments difficiles, on a envie de prier, de dire à Dieu qu'on a difficile. Eh bien, à ce moment-là, sachez que vous n'êtes pas seul dans votre chambre à prier, mais que Saint-Nicolas est auprès de vous. Et là où je suis, alors je peux dire à Dieu, notre Père, qui nous aime, que vous êtes de braves enfants. Et qu'il continue à veiller sur vous et à vous aider dans ces moments difficiles. Merci beaucoup Saint-Nicolas, c'est super gentil d'être venu. On voit bien que vous êtes saint. Ben, j'espère Thomas que l'année prochaine ce sera un peu plus festif, que comme chaque année je pourrais lancer des chiffres dans toutes les villes, que je pourrais donner plein de friandises à la sortie, et puis surtout, on pourra, comme chaque année, inaugurer le sapin qui nous fait vraiment entrer dans les fêtes de Noël et de fin d'année. Eh bien, Saint-Nicolas, merci beaucoup d'être venu. Merci pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo, pour tous les enfants à qui vous allez aussi amener tous ces beaux cadeaux. Je suppose que vous avez encore une grande journée devant vous. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour vous revoir ? Eh bien, Thomas, c'est très simple. Chaque fois que tu pries ou que les enfants prient, eh bien, je serai prêt. Ah, c'est super gentil. Merci, Saint-Nicolas. Au revoir, Thomas. Au revoir, les enfants.